Jean-Marc Planchon est un artiste des lumières nocturnes. Ses peintures à l'encre, de même que son travail photographique, synthétisent les formes pour en révéler la substance. Un rayon de lumière lui suffit pour nous suggérer le contour et la transparence d'une fenêtre à travers un rideau d'encre de Chine. Du monde qui est très basé sur les valeurs et la lumière, et il y a une telle nuance dans les encres japonaises que c'est un vrai plaisir de les travailler sur des papiers qui sont faits à la main avec des pinceaux particuliers. Il y a une espèce de jouissance des matériaux qui est assez agréable. Il n'y a pas de retour, la trace elle est là, elle est faite. Les fenêtres, c'est toujours un endroit qui est un lieu d'apport ou de lumière. C'est un endroit par lequel on a une ouverture, une vision de quelque chose d'extérieur ou d'intérieur. Il y a le mystère qu'il y a derrière une fenêtre, toujours. Pour capter toutes les nuances de noir dans l'obscurité, Jean-Marc Planchon photographie en apnée, avec des temps de pause de plusieurs secondes. La ville assoupie émerge des ténèbres et nous dévoile sa face cachée. Dans l'idée, c'est d'essayer d'aller dans la vérité de ce que je représente, dans l'essentiel. J'essaye d'évacuer justement tout ce qui peut être anecdotique. Donc pour ça, j'utilise un principe très simple, c'est que je vais au moment où il n'y a pas de lumière. Donc le moins possible est révélé, mais l'essentiel est révélé. Au cours de ses pérégrinations, le photographe recherche inlassablement le motif qui ne racontera que son mystère. Un sujet sans narration, dont il révèle la présence dans une vibration poétique. Le cadre urbain est assez compliqué parce qu'il est très riche, il est foisonnant. Donc forcément, je vais plus sur le détail. Donc effectivement, ça sera plus essayer d'avoir un petit bout de petite maison qu'une grande rue très encombrée. Un bouton de porte éclairé derrière un petit rideau de feuilles grimpantes. Pour moi, ça dit plus que l'ensemble de la rue avec ses maisons, ses tailles, ses jardins.